Change shows like clothes, I can get attached. Cause these hoes fire stoners like lit matches. I've been feeling really lost, looking all attachments. I don't really go outside cause I hate traffic. I don't wanna go. Juste avant de commencer la vidéo, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un Instagram. Il a déjà 4800 abonnés. Il y a des photos de moi IRL dessus et je fais gagner un clavier. Venez follow, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Et bien bonjour à tous les amis, c'est GX. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing un peu spéciale parce que là nous avons un colis. En fait c'est un boîtier de PC et j'aimerais bien changer ce vieux boîtier de merde qui a du scotch dessus. Enfin c'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Du coup j'aimerais bien le changer et grâce à cette marque et j'ai pu le changer. Le lien sera dans la description bien sûr, je le fais gratuitement parce que voilà c'est super sympa et je présenterai sans doute plein de leurs produits, mais je fais ça totalement gratuitement. Genre ils m'ont juste envoyé le produit puis voilà. En tout cas on va commencer à ouvrir. Déjà ça a l'air bien protégé, vraiment bien protégé. Hop, on a ça, donc ça ce sera pour après. Donc je vais être obligé de démonter tout mon PC, c'est ça qui va être un petit peu chiant et long. À la limite ce qu'on peut faire c'est, je sais pas comment on va faire en fait. On va le mettre de côté comme ça, ok. Et on va le sortir. Aïe. Aïe. Oh merde, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Aïe. Ah, je suis mort. Je me suis fait écraser. Eh hey, merde. Ok donc voilà le PC. Mais merde, mais putain, mais... Il y en a marre. Donc êtes-vous prêt à voir la bête? Vous êtes prêts? Attention. Voilà. Ce qui est cool, c'est que, voilà, on peut voir les composants et tout, mais vraiment mieux que là, c'est comme ça. Alors que là, c'est vraiment mieux. Il me semble qu'il y a des lumières RGB, donc ouais, ici, donc ça va être super. Franchement, ça va être super. Et le PC va être vraiment super joli, les amis. Le bouton power, ok. Les ports USB, la petite ventilation sur le côté. Et derrière, ça se situe comme ça. Donc j'espère que tous mes composants vont tenir. Normalement, il n'y a pas de souci. Il est vraiment plus grand. Il est plus carré aussi. Mais je pense que c'est mieux de bien voir les composants, je sais pas. Ça va être stylé de ouf. Du coup voilà, on va démonter ce PC. Et on se retrouve juste après les amis. Ça va être assez long mais bon. Allez, plutôt je m'y mets et plutôt... Ouais, ferme ta gueule, allez. Voilà donc juste pour vous montrer, il est bien poussiéreux. Vraiment dégueulasse. Et il fait des vieux bruits de plastique genre... Je sais pas mais vraiment genre bien foutu. Il y a une petite rayure ici et il est bien poussiéreux. On va tout défaire et on va mettre ça là-bas. Donc comme je vous ai dit, j'ai bien galéré à le monter, j'ai passé vraiment énormément de temps toute la soirée, je me suis couché à 3h et j'ai regardé une dizaine de tutoriels pour voir où les fils se branchaient parce que je me rappelais plus. Mais en attendant, voilà, je vous montre mon Instagram, n'hésitez pas à aller vous abonner. J'ai fait un concours sur le clavier The G-Lab, vous avez juste à taguer deux amis, aimer ce post et à te abonner à mon Insta. GX le slime rouge avec 3 E à la fin, le lien est dans la description, n'hésitez vraiment pas. Je vais refaire une vidéo pas longtemps pour expliquer le concours, donc n'hésitez pas à participer les mecs. Change shows like clothes, I can get attached. Cause these hoes fire starters like lit matches. I've been feeling really lost, looking all attachments. I don't really go outside cause I hate traffic. I don't wanna go. Et donc voilà ce que ça donne une fois monté. On se retrouve le midi du jour d'après en fait, où est-ce que j'ai commencé à le monter. Donc voilà, ça donne ça. Et j'ai assez galéré parce qu'en fait il y avait des fils que je ne connaissais pas du tout qui liaient en fait la lumière pour les ventilateurs du PC en fait. Et du coup j'ai vraiment galéré. Donc du coup ça fait qu'il y a ça comme ça. Hop, et que à l'avant ça donne ça, donc je trouve ça vraiment stylé, sincèrement. Ensuite, l'autre côté comme ça, là, c'est y a des trous ici en fait. Et du coup, je trouve que c'est super parce qu'en fait, ça change réellement de ce que j'avais. Et on peut voir, en mode la carte graphique et tout. Et je trouve que c'est vraiment mieux. Par exemple, j'avais un fil à brancher, ce fil là, le fil bleu qui était pas branché à la carte graphique. Et j'ai pu le voir à travers le truc en fait. Et mon PC d'avant, enfin, je pouvais pas avec le boîtier. En tout cas, voilà. J'ai aussi ajouté un truc un petit peu kéké tuning, mais du coup, ça fait ça. Attendez. Voilà. Ça donne ça et en fait je peux mettre les couleurs que je veux. Donc là par exemple on va mettre du blanc tout simplement. Voilà, ça donne ça. Ça pique un peu les yeux mais bon. En tout cas là au moins je peux l'éclairer si je veux faire des trucs. Ensuite je peux mettre n'importe quelle couleur on va dire. Et du coup j'ai mis ça, là ça fait un petit peu c'est trop coloré on va dire. Là franchement pour le coup là c'est trop coloré. Mais bref en tout cas voilà ça donne ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je pense qu'elle était assez courte mais pour moi c'était long à faire. Vraiment j'ai pété un câble et tout. J'ai galéré, j'ai dû enlever tous les composants, les remettre alors que je savais plus comment on mettait tout. Quel fil aller avec lequel. J'ai dû regarder beaucoup de tutos. En tout cas voilà, ça donne ça,
Moi personnellement j'aime bien, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais personnellement moi j'aime bien, puis voilà, ça change quand même de ce que j'avais avant. Et puis voilà, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Le lien de la tour sera dans la description, enfin du boîtier. N'hésitez pas à aller le voir. Merci encore à la marque Sharkoon qui m'a passé le boîtier totalement gratuitement. Ils m'ont pas payé, bah voilà. Du coup je l'ai même pas payé, ils m'ont pas payé, puis voilà. Tout s'est bien fait, en tout cas voilà, merci d'avoir regardé, c'était GX. Je vous laisse, mettez des pouces bleus, je vous fais des gros bisous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.